Ce genre de passerelle, il n'y en a pas beaucoup à Kinshasa. Ce n'est donc pas difficile de me situer. Oui, je suis le long du boulevard Lumumba. Mais où exactement? Merci de vous joindre à moi pour la première partie de mon voyage à travers ce quartier chic de la ville-province de Kinshasa. Il se peut que le quartier ait un autre nom, mais communément à Kinshasa, nous appelons cette partie Limité résidentiel. C'est beau, hein? Du moins, jusque-là. J'ai eu plus de mal que d'habitude à filmer ce vlog. Continuez à regarder et vous en saurez les détails quand j'arriverai à l'école Massamba. À gauche, c'est l'entrée de l'ex-présidence de la RDC. Oh, oh, comme moi. Quartier chic. Naléli. Mboka izalaka bouye. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Laval. Je suis congolais de père et de mère. Donc le débat sur la congolité qu'il y a actuellement ne vise pas les gens de ma catégorie. Sinon, qu'est-ce que vous en dites? Faut-il nécessairement être congolais de père et de mère pour être président de la République ou occuper d'autres postes stratégiques dans le pays? Ou est-ce que avoir un seul parent congolais suffirait? Ou encore même, est-ce que naître au Congo suffirait? En commentaire, s'il vous plaît. Merci d'avance. Puisque nous parlons de présidence, le gros débat dans les rues de Kinshasa aujourd'hui, 8 juin 2021, est la gifle qu'a reçue le président français Emmanuel Macron. La même question revient. Que serait le sort de l'attaqueur si cette scène s'était produite en RDC? Waouh, que c'était intéressant! Vous voulez voir autre chose d'intéressant? Regardez devant. Nous sommes en pleine saison sèche. La RDC comporte deux saisons. La saison de pluie et la saison sèche. Pendant la saison sèche, il ne pleut pas. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voir Kinshasa, puis mourir.
Ça veut simplement dire il faut absolument venir à Kinshasa. Il faut absolument revenir au pays si vous êtes congolais. Il faut absolument penser à s'investir pour son pays. La RDC en a grandement besoin. Vous avez peut-être remarqué beaucoup d'écoliers en chemin. C'est parce qu'il y a beaucoup d'écoles aux alentours. Limété regorge les plus grandes écoles de la capitale. Dans ce vlog, vous allez en voir deux. Ne manquez pas mes prochaines vidéos pour en voir plus. Devant, à droite, nous avons l'école primaire d'application, qui est une bonne école, mais pas une des deux dont je viens de vous parler. La première école se trouve à la courbure à gauche. Elle s'appelle Masamba. Ceux qui sont de Kinshasa savent de quoi je parle. L'école Masamba à Tika. En arrivant à l'école Masamba, je suis allé à la direction pour parler au directeur. Lui proposer de venir faire un reportage de l'école. Il était occupé, donc pendant que j'attendais, je me suis dit, je peux prendre quelques images pour en faire des inserts, même si je ne fais pas le reportage tout de suite. Ça m'a attiré des ennuis. Le préfet de discipline et quelques professeurs sont venus me parler très sévèrement. Ils ont même menacé d'appeler la police. Ils m'ont dit est-ce que yebi ke bana ba ministre batanga kana école oyo. Voici la deuxième grande école. Et c'est reparti. À gauche devant, c'est la maison communale de la commune de Limété. En Europe, ça serait un peu comme la mairie. J'en ai beaucoup de bons souvenirs.